Eh ben bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la 100e vidéo de la chaîne, je voulais vous faire découvrir la pièce qu'on m'a autorisé à filmer. Donc c'est une, enfin en tout cas moi je trouve que c'est une très belle collection. Là vous avez une SF1, là on a un Multiméga, une SG1000, une Master System brésilienne donc qui est grise avec les boutons blancs, une Mega Drive dessous. Quelques jeux. Là, on a des petits Game & Watch avec des SP. Là, des Game Boy Pocket. Là, on a tout un pan de Nintendo en boîte. Des Super NES. Des vieux jeux des années 80. Ah, un Sega Gaga. Ça, qu'est-ce que c'est bien? Un PC Boy, une Q, un Pong Nintendo, une GameCube, une GameCube Tiger, celles-là elles sont belles aussi. Là après on a tout un pan PC Engine, avec une GT, une Super Graph, une Chorégraph, une PC Engine en boîte, Goals and Ghosts sur Super Graph, City Hunter, voilà. Des Xbox, un vert, voilà, une tripotée de GameCube, des manettes Resident Evil, donc du coup il m'avait dit qu'il devait y avoir la console quelque part, la console elle est là, console Resident Evil, des PS2 en boîte, voilà. Une Dreamcast Hello Kitty, une rangée Sega. Là, qu'est-ce qu'on a? Une Mega Drive Genesis 3, un ordinateur Alice, D64, des Famicom Mini, D64, des jeux Game Gear. Là, on a des jeux DS, avec une 3DS XL Zelda. Oui, des petits pins Zelda avec la cassette vidéo de la Super NES. Un Auric. Là, rangé Play. Des jeux Game Boy. Une Playdia. Ah, ça c'est une NES Samurai. C'est une NES indienne. Une Mega Drive Mini. Un Virtual Boy. Des jeux Switch. Ça c'est que des jeux 3DS sous blister. Des jeux PSP. Là on a un rayon Neo Geo avec une Neo cartouche japonaise, Neo Geo Pocket et des jeux avec un petit Yoshi tout mignon. Là on a des Wii U en boîte avec un super pad arcade de Super Nintendo programmable, Super Famicom, Famicom. Ah oui, ça m'avait dit que c'était Famicom mais avec les boutons carrés, donc premier modèle, pas avec les boutons ronds. Et là, du coup, on a une Super NES, enfin plusieurs Super NES, on en a 4, des packs différents. Je crois que c'est ça. Ça, c'est deux packs Street Fighter 2, Street Fighter 2, Street Fighter Turbo, un pack Mario et un pack Donkey Kong. Là-dessous, on a. Qu'est-ce que c'est ça? Une Game Boy Pocket en boîte, des NES. Ça c'est la NES mais Mattel version. C'est les premières. Une Mega Drive américaine. Là, on a des PS3 première génération avec une PS4. Ouh. Et donc là, il y a des DS, des Play, des DS avec. Oh, ça là au moins démarche. Avec des NES, des Advent, un M82 et une Super Famicom Box. Bon, ça c'est chouette. Là après on a plein de jeux. On a des Play 2, on a une PSX, on a plein de jeux, une Famicom, des jeux. Jeux Zelda,
le téléphone de Matrix, des Game Boy. Un stylet 3DS, une supervision. Et là, qu'est-ce qu'on a après? On a des Namastag, des Furby, une Switch, un jeu Neo, des Atari, des Play en boîte, un jeu Zelda, une 3-6 Star Wars, encore une Xbox transparente, une Atari. Là, on a le rayon Atari. Et là, on a une Lynx. Des Xbox encore. Une Game Boy. Une Twin Famicom avec une Neo Mini. Des PSP, Game Gear. Des jeux. Ah, une manette. 20e anniversaire. Un Super Boy avec une cartouche de Donkey Kong Country Competition. Rien que ça. Un pad Zelda magnifique qui avait été fait par quelqu'un. Il m'avait dit que je vous laisse découvrir comme c'est beau. Tout gravé. Et la console aussi. Tiens, tu peux me tenir ça, Yanoche ? Je fais comme chez moi, je vais vous faire découvrir aussi la console. Qu'est-ce qu'elle est belle! Voilà, toute gravée avec un beau logo Zelda et l'épée. Ben dis donc, quel travail! Hop. On va la reposer tout doucement, on va lui remettre. Là. Ça, on va le remettre comme ça, comme c'était. Des Tamagotchi. Là, on a des jeux GameCube, des jeux Super NES, en veux-tu, en voilà. Là, on a des boîtes avec les jeux Super NES, les jeux NES, un NES Cleaner. Et là, on est dans une vitrine. Je me permets d'ouvrir. Voilà, du coup, donc vous avez une Super Nintendo Comboy écriture japonaise, écriture coréenne, une Comboy écriture américaine, une NES Comboy avec les deux manettes de Super NES écriture américaine et écriture coréenne, une Game Boy Comboy. Après, là, on a les Schtroumpfs autour du monde sur Master System, Rule of Rose. Game Attack sur Atari 2006, il n'y en a eu que 100 de fabriqués. Une DS McDo, une Star Wars Compétition, un Little Samson, une cartouche Nintendo World Series, un Stadium Event. Et là-bas, c'est quoi? Un Zombie Nation et un Donkey Kong sur Wii U avec Mario. C'était le code à télécharger, ça. Là, vous avez l'exemplaire unique de la PS3 qui a été faite pour les All-Star Game Series de 2007 par Kobe Bryant, quand même, je le signalais. Et donc, du coup, c'est une rétro-compatible. Voilà, elle était à gagner. Là, vous avez une PC Engine en boîte avec Bad Fur Day et Final. Quelques jeux Game Boy, dont Monsieur Patate, l'un des jeux Game Boy les plus durs à trouver au monde. Et un petit Roby. Et voilà. Eh ben, dis donc, quel bel endroit. Du coup, voilà, ben, j'espère que cette découverte pour la 100e vidéo vous aura plu. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo plus en adéquat avec notre chaîne pour la réparation. À bientôt.